Non. Frites. Ah, je suis mort. Ah ouais, on peut séparer les lits. Yo les petits. Intro rapide. Yo les petits potes, comment ça va? Moi ça va super. La Paris Games Week c'est fini. Et là on rejoint l'hôtel de la Paris Games Week pour passer la fin de soirée. Direction l'hôtel pour dormir. Ok les gars, là on est en pleine rue, on vient de finir de prendre le métro, on est parti de la Paris Games Week. Là on va directement dans l'hôtel de la Paris Games Week pour passer la fin de soirée. Donc je vous emmène, c'est parti, on y va. Et j'espère qu'on n'aura pas un hôtel tout pourri. J'espère que c'est pas ça là. Hein? T'as dit quoi? Je passe mon petit. Je passe mon petit. Ça coupe, on dirait pas. Ça coupe, on dirait pas un palmier là, juste là. Il y a le manoir hanté à côté de notre hôtel. Du coup, je pense qu'on va aller faire un petit tour juste après. Ah mec, le kebab il est à 8 balles. T'es sérieux? Par contre, c'est grave. Eh, je ressens vraiment rien, mec. Eh, faut vraiment que je coupe mes cheveux. Eh, je ressens vraiment rien, je suis traumatisé. Bon, les petits potes, on a trouvé l'hôtel. Franchement, vu de loin, il a l'air d'être pas mal. Et vu en face de la tour Eiffel, magnifique. Menteur 2.0. Regardez de face, regardez de loin. C'est vraiment lui. Regardez de loin, c'est hyper classe. C'est ouf. Oh, on est riche un peu. Oh mec, Benjamin il m'a fait espérer en disant que c'était l'hôtel tout là-bas. Mais en fait c'est ça là. Du coup on y rentre. On a la chambre. Ouais, avec ta vieille touffe là. Je pensais que c'était un bête de truc, gros. On dirait une bibliothèque. Bah non, j'ai une table de séjour, c'est même pas possible. C'est quoi la clé? C'est magnétique. D'accord. D'accord, donc ça, c'est la clé. C'est la clé de la chambre. Ça, c'est d'accord. Sésame, ouvre-toi. Voilà, je suis content. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. C'est ça, mec? Mais c'est nul. Bah, au moins, on a une chambre pour dormir, mais... Bah, y'a mieux, quoi, voilà. Coucou. Au revoir. Salut. C'est quoi? Ah, mais mec, oh, putain... non, je dois dormir avec ce gars-là, gros. Ah, non, mec, c'est... Ah ouais, on peut séparer les lits. Ah... Ah, j'ai trop bien sa mère. Elle est où, ta copine? Eh, hey, en vrai, on peut faire un petit jeu ce soir. Mais genre tranquille, hein. Non? Mais tu me suces. Hein? Je me suis arraché. Je me suis défoncé le crâne, gros. Enfin, le moumou, moi, peu. Mais regardez-le, il dort déjà. N'importe quoi. Eh, hey, Benjamin, attends. Pour te réveiller, mon gars, on va faire un petit chifoumi. celui qui perd, mon gars, il fait 20 pompes. Même si t'es fatigué, parce non, qu'il est malade. C'est mort. 20 pompes, allez. Allez, gros. 10 pompes. Non. 10? Non, tu prends une douche froide. Vas-y. Non, mais. Moi, je suis malade. Hein? Je suis malade, tu peux. Bah, ça compte pas, bah, faut faire un truc à deux alors. Bah, approche-toi. Je suis dos et on fait 20 pompes, ok? Non, 10, t'as dit. 10. Allez! Ok. Bon, allez, je dois faire les 10 pompes, les gars. On va sortir les. Allez, vas-y. Hein? 20 pompes. Bah allez. Ouais, rien du tout. 10. Pour tes abonnés, fais 20. Tu fais 10 pompes. En plus, t'as un gars musclé. Fais pour les 10 prochains abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube. Et activer la notification. Ça mérite 10 abonnés de plus. Les diamants. T'en veux 10? Ouais. Pas de soucis. Ça fait 20 abonnés, hein. Les diamants, ça c'est un boxeur. Voilà. C'est bon, tu peux finir. C'est bon. C'est quoi la salle de bain? C'est une douche ou un bain? Attends. Tu vas me dire que c'est les chiottes? Hein? Les chiottes, c'est la voiture. Dans tous les hôtels, c'est. T'as du cola? Ouais, si je fais une grosse chasse, gros, il va tout sentir ma merde, les petites drogues. T'es tout content. Ok, les gars, là, on est dans la petite salle de bain. Alors, voilà, je crois que c'est l'espace le plus beau de la chambre, vraiment. Le petit miroir, il y a 3 verres. 1, 2, 3, je sais compter. Le lavabo, la petite douche avec un petit savon, les serviettes et. La cuvette.
et du papier, heureusement. C'est bon, Benjamin, tu peux aller faire caca. Eh les gars, faut vraiment que je coupe mes cheveux, hein. Eh ben, je... Il ressemble à un hamster, le mec. Un hamster. Attends, je mets un hamster regarde, juste à côté de ma tête. Regarde. Tu as un tour de magie. Tu fais un tour de magie. T'as pris de la drogue. T'as une voix bizarre. On est des bébés. Est-ce que vous voulez Titeuf à l'appareil? Comment ça tu vas pas au téléphone? T'aimes pas Titeuf? Vous aimez pas Titeuf? Est-ce que vous aimez bien Titeuf? Ferme ta gueule, toi! Ouah, putain, c'est chiant, mec! Mathis? Ouais? Hé, la lumière? Bah, quoi la lumière? Elle s'est éteinte? Non. Mais gros, je suis en train de faire caca, où? Non. Mais pourquoi, où? Non. Mais tu peux pas sortir pour ouvrir la lumière, où? Ok les petits potes, là je mets mes petites chaussures. Quoi? Ramène la poubelle, c'est. Attendez, attends, coupe pas. Tiens. Attends, eh si, rate, il fait 20 points. Vas-y, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Allez 20 points. Oh, là, le gars. Ah, je touche la morve, du coup. Il a ramassé ma morve. Oh. Oh. Bref. Du coup, les amis, je disais. Là, je mets mes petites chaussures et là, on va faire un tour au manoir de hanté de Paris. C'est ça, non? C'est ça. Ok, ok. On va pas le faire parce que on n'a pas la thune encore pour le faire. Et puis c'est trop cher. Mais on va aller faire, on va faire un tour devant et on verra si ça va aller. A tout de suite. Non, c'est pas là. De quoi? Si, c'est là. Il s'est chié dessus. Connard. Arrête, arrête, arrête. Putain, t'as vraiment un gros crâne en vrai. J'ai vraiment un crâne gros, on dirait un palmier. Je suis traumatisé. Et Steven, on a combien de temps du manoir? 10 minutes. 10 minutes, à pied? Là, j'ai cru qu'on devait reprendre le métro. Et on a fait que ça aujourd'hui de prendre le métro, c'est ouf. Ça saoule à force. C'est parti, on va au manoir hanté. Ok les gens, désolé pour la petite qualité, on arrive devant le manoir. Enfin là, on voit pas parce qu'il y a des murs devant. Mais on arrive juste devant. Pourquoi t'éternues toi? Putain. Mais encore! On est les seuls trous du cul qui sont obligés de passer là. Merci entre les barrières, on est obligés. Regardez les petits potes, je crois que c'est le truc en rouge là, juste à gauche. Ouah, la queue de malade qu'il y a! Ouais, c'est ça gros, c'est ça mec, mais on va rien voir. Ouah, gros, ça doit faire flipper en vrai! En vrai, si ça avait été 5 euros, je l'aurais fait, je vous promets, je l'aurais fait. J'aimerais trop le faire. Regardez-moi ça, les petits potes. Hein? Il est juste là, le manoir. Et j'aimerais trop le faire, mais je peux pas! Je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai pas la thune, j'ai pas la thune. On a soif, on va prendre une petite bouteille d'eau. Excuse-nous, le gars qui travaille ici, il a trouvé les bouteilles d'eau. Ouais, on a trouvé des bouteilles d'eau. 50 centimes. Hein? Le dégueulasse. Mon blanc. Mais Staline. Et vraiment, t'es nul à chien en réorientation. Hein. Il sait même pas où c'est l'hôtel. C'est qui? Bah non, moi je sais, c'est juste en face. Et on vient de... J'ai envie de me taper le bras dans cette On vient, on rentre à l'hôtel, il y a le gars de l'accueil. On dirait il avait fumé au but, on lui dit Je dois péter. Il fait. Oh yeah, je l'ai fait. On arrive. Il y a le gars de l'accueil, il fait vous avez fait quoi? On dit on allait voir le manoir de Paris et tout. Et il fait quoi? Il fait quoi? C'est vrai ça. Alors que lui-même il habite à Paris, il m'a fait trop rire. Il nous a fait trop rire. Mais mec, il y aura de la mousse dans ta bouche, t'es dégueulasse. Il y aura de la mousse sur la moustache. Il pue déjà de la moustache, regardez sa moustache là. J'ai oublié de me raser. Tu t'es jamais rasé. Pleure parce que j'ai pris sa place. Regarde, je pleure pas. Hein? Deux. Allez, la blague. Il va prendre son père. Wouah, t'es sérieux? Wouah, il m'a pété dessus! Wouah, enfoiré, va! Hey Steven! Wouah, t'es sérieux, gros! Il a cru que j'allais te prank, mais j'ai prank lui. Allez! Ah, ça pue, ça sent. Oh, ouais, ça pue! Ah, ça pue! Oh, t'es sérieux, mec? Bon, les gars. Approche-toi, mes couilles. Quoi? On va faire un prank. Vas-y.
Il veut ouvrir la porte alors que son frère... Non, mec, t'es chiant, arrête de péter, gros. Il veut ouvrir la porte alors que son frère est dans sa douche. Bien évidemment, si on réussit, hein, je floute tout. On va voir son petit chibre. Il me tue. C'est à toi ? Hein ? C'est à toi, toi ? Ouais, c'est à moi. T'inquiète. Ah, mais il nique pas l'embout. Ah, ah ouais. Fais pas de bruit. Ça rentre pas dans le trou. Putain, il y a ça qui plante. Attends, j'ai pas un... J'ai rien en plus. Attends. On va regarder. Il a fermé la clé là au bout. Ouais. Oh, il a fermé la clé. Faut essayer de trouver un truc pointu. Ah ouais, c'est assez solide. Et on a trouvé la clé pour le passe de. Pour entrer dans la chambre. Essaye avec l'embout. Avec l'embout, regarde. Ça va peut-être marcher. Hein ? Ça va ton frère, je crois. Oh, ça va marcher. Mais non, il ne faut pas se casser. T'es un mec. Ah, ta mère, c'est trop, c'est pas assez grave. Pourquoi tu chuchotes, il entend pas, il est sous l'eau. Non, c'est jamais. Et on est des agents secrets. Bah, je l'ai pété. Il a déjà fini. Les connards, il va voir la poignée qui se plie de l'autre côté. Et en vrai, il va nous prendre pour des pervers, gros. Tu crois vraiment que une pièce ça va marcher? Petite pièce, wesh. Non. C'est un bout de papier, connard. Ça... ça va pas marcher, mon gold. Faut qu'on trouve un truc, mais on trouve pas. Le coffre-fort, il y a un truc dedans, non? Non, y'a rien. Y'a rien, je croyais qu'il y avait une clé dedans. Wow, tu pues, gros. T'as pété ou quoi? Putain, un appareil ici prank. Dommage. Fuck. Petit Bash, il va prendre sa petite douche. Moi, après, c'est mon tour. Non, et après, si dodo. Douche, moi, c'est un crappy. Ouais, bien sûr. Comme si j'allais pas me laver. Et après, c'est dodo. Tu t'en tires. Ah, il sait pas. Il a pas de dentifrice. Dans mon sac. En fait, j'ai des tubes. Je sais pas si c'est un dentifrice ou pas. Pas prendre dans mon sac. Du coup, j'ai pas envie de tester. Prends dans mon sac. Tes bras, c'est des Kit Kat. Ton fils, comme non. Ça fait du bien une douche chaude. Se brosser les dents, c'est toujours important. Merde. Oh, j'ai du dentifrice sur la main. Vas-y, petit gars, là on a quitté l'hôtel, on descend et Il faut quoi derrière la caméra, vous êtes chelous les gars. Vas-y, bouge toi, je vais. Vas-y, à tout à l'heure. L'ascenseur il s'ouvre pas là. Ok, les petits potes, c'est bon, on a fini, on est sorti de l'hôtel. Bah, je t'ai pensé quoi de l'hôtel? C'était quand même. Sans mer, voilà. C'était quand même marrant en vrai. On avait vu sur un mur, c'était beau. Ouais, vu sur un mur, c'est trop bien les gars. Enfin bref, vas-y les petits potes, nous on va vous laisser là. On vous fait un gros ciao ciao, bisous les gars, dans une prochaine vidéo. Ciao.